C'est un objet, ça? Ah, ça veut pas dire que c'est qui c'est ailleurs. Putain, j'ai... I bet it's germ warfare. Okay, thanks. I'm not going anywhere until the shooting stops. You are my shooting star. Objective will be to locate and disable its power source. Probably an industrial-sized generator in a large building. I'll question some of the locals. I ordered the civilians to take cover a block south of here in the Free Clinic and at the Underworld Tavern, down in the corner. Maybe I'll start with the tavern. Why'd you have to clear the street? There's still a heavy NSF presence in the streets, and we're taking some fire. We could use your help if you get the chance. Maybe I'll do that. If you need any extra equipment, here's the key to my place at the Tun Hotel. Check the secret closet. Remember? Keypads behind the painting. Just like the movies. Second floor, right? Yeah, and take a charger for the riot prod. We don't need another Anna Navarra shooting spree. Whatever you say. And JC, we'll be waiting for you to take down that EMP field. Oh,
Oh, il y en a sûrement un autre dans la ville, allez. Je peux le pirater. Voilà. C'est pour moi. Ah, ça y est, allez, la mission démarre. Un terroriste ici? Par chocolaté. Ah! Il y a un vilain qui va être derrière la porte, à mon avis. C'est verrouillé. Ah, mais non, c'est pas le porte qui s'ouvre. On est condamné.
odeur de pizza par mon bien à l'intérieur. Oh, ça va me plaire, ça. C'est moi ou il y a une caméra? Ah, système anti-vol. Trop bien. Putain, oh. Ouais, d'accord. Toutes les pizzerias ont un système de mitraillage. Peut-être passer par au-dessus, non? Tiens, j'arrive plus à remettre le cap. Non! Tant pis. Oh, oh, oh! Attends, non, c'est une palette. Elle me fait des films. Je croyais que c'était une trappe. Alors, c'est maintenant que les conneries commencent. Excellent. Oui, mais attends, je peux la faire en deux temps. Je peux tirer à distance pour briser la vitrine. L'arme se déclenche, mais elle s'arrêtera au bout d'un moment. Personne ne réplique. C'est quoi que j'observe? Ah, c'est la question juste où vous avez un siège derrière. Non, non, bien exceptionnel. Oh, du whisky! Ça mérite une capture d'écran. Bon allez, sérieusement, mes ordres de mission. Oh bordel! J'en ai jamais eu autant. Alors, objectifs principaux, trouver le générateur clandestin de la NSF, l'équipe de Paul pourra l'entrepôt d'assaut une fois le générateur détruit et le champ électromagnétique désactivé. Présentez votre rapport à Paul dans Hell Kitchen. Ça c'est fait, ok. Libérez les otages dans la station de métro de Bunkerberg sous la laisse de Chat. Bah oui, c'est fait ça. Oui, bref, il faut que je trouve le générateur, ok. Alors, objectif secondaire. Tâchez de savoir ce qu'il en est de la prise d'otage de l'Hotel Town qui se trouve au coin de la rue. D'accord. Portez secours au Renton s'il se trouve encore à l'intérieur. Parlez aux habitués du bar et aux patients de la clinique pour obtenir des informations sur le générateur. Faites votre rapport à l'agent Navarre pour recevoir vos ordres, ça c'est fait.
Récupérer le baril d'ambroisie volé dans quelque chose de ses faits. Ah, il me cumule avec des trucs précédents. Ah, fais chier les objectifs atteints, mais quel con. Ah, mais là, je me sens mieux. Oh mon dieu. Ah, ouais, bah, je vais faire la causette d'abord. J'ai des. Non, ils m'ont pas donné d'infos supplémentaires, ok, merde. Ah, le clin d'œil à Matrix. First Federal National Bank. Eh putain, les mouches m'empêchent de lire le truc. Donc, New York, Banque Nationale Fédérale. Voilà, à John Palmer. Nous sommes désolés de l'incident qui s'est produit. qui s'est produit sur notre code bancaire de la New York First Federal. Notre établissement a fait de la sécurité une priorité et en aucun cas non responsable de ce qui s'est malheureusement produit. L'intégralité du montant qui figurait à votre crédit avant que les transactions illicites ne se produisent a été transférée sur votre compte numéro 947761, code confidentiel 2867. Nous vous suggérons de... Putain, mais il y a un délai. Nous vous suggérons de changer ce code aussitôt après avoir vérifié votre nouveau compte. Une fois encore, acceptez nos excuses et soyez assurés que la banque fera le nécessaire pour que tels incidents ne se reproduisent pas. Sincèrement, votre la dame vice-président de la banque, apparemment. Oui, c'est... Ah non, sécurité informatique aussi. Il est vice-président et d'accord, il fait la sécurité informatique aussi dans la banque, mais qu'il a deux casquettes. Ah putain, il doit pas s'ennuyer. Mais je veux savoir, je peux les transporter les bâtiments. Ah oui. Ok, c'est bon à savoir. Je vais pas tarder à aller voir. Putain, le mec quoi, alors qu'il me fait flipper. Il attend un truc. Putain, il faut qu'il soit enceinte dans ce club. Analyse CIA Hong Kong 2050. Économie. Dans les décennies qui ont suivi le retour de Hong Kong à la souveraineté chinoise, la mégalopole a connu un essor économique sans précédent.
dû à la détermination des autorités centrales de Pékin. Tiré par le marché des technologies des modifications humaines en expansion constante, le PIB a progressé régulièrement depuis 2041, et tous les indicateurs de prévision économique affirment que cette tendance se maintiendra au cours des 10 prochaines années au moins. Néanmoins, il est à noter que ces statistiques ne reflètent pas l'exacte situation économique de Hong Kong dans la mesure où elles ne prennent pas en compte les marchés noirs et gris très actifs qui prospèrent avec l'accord tacite du régime de Pékin. Et alors que l'oppression politique qui caractérise le régime ne relâche pas son emprise sur la population, la libre entreprise se maintient et progresse sous la forme de crimes organisés. Comme depuis toujours, tout peut être vendu ou acheté à Hong Kong. La plupart des organisations criminelles actuelles sont les descendants directs des tribus de triades qui existent depuis des millénaires en Chine, en Asie du Sud-Est. Et oui, on n'est pas dans les millénaires. Se chamaillent tout le temps, selon l'historien Alistair Brooks. Vous croyez que c'est un jeu plutôt innocent jusqu'au moment où il commence à se taper dessus. Jusqu'au moment où le procès dit des 16 de Calcutta eut commencé au Pakistan et que les deux nations, montant progressivement le ton, se soient retrouvées entraînées dans un maelstrom de surenchères politico-médiatiques qui ne pouvait dès lors se conclure que par l'utilisation de missiles nucléaires. Ok, tout va bien. Infocube, ce petit mot pour te dire que si tu as besoin d'aide pour le boulot, observe près de la peinture sur le mur et compte de 4 à 1. Il faut que j'y aille. Mais... Ah bah c'est la part du frangin. Le tableau. Effectivement, de 4 à 1. 4, 3, 2, 1, 0. Ah oui, vu comme ça, ça aide beaucoup. Oh putain, oh magnifique. Oh je dis oui. Oh je prends tout. Je dévalise le frangin. Ça donne la nausée. Évidemment je ne sais pas un parcours de circuit automobile. J'ai pas pu t'ouvrir un compte sur le net, alors sers-toi du mien. Le login est Pedantan et le mot de passe Caméléon. Fais comme chez nous, frère, on se voit bientôt. Pedantan Caméléon. Ah bah avec plaisir. Attends, c'est quoi ça? C'est un soda? Ah, une lacrymogène! Trop bien. Protection barbale. Oui! C'est que ça va barder. J'ai de la lecture, j'ai 5 mails. Attends, j'ai déjà lu ça. Ah non. Alors, de Sweet Charity, sujet tu me manques. Je t'ai laissé un message sur ta machine, mais ce n'était pas suffisant. C'est dur d'arriver à se voir alors que nous ne sommes toujours pas monzés par vous. Tu me manques tellement. On se rattrapera quand on se verra. Ah, au fait, je crois que ton frère habite chez toi en ce moment, alors j'attendrai que tu sois seul. On est fait l'un pour l'autre, à bientôt, bisous. Et... Donc le frangin a une relation, tant mieux pour lui.
se fait astiquer son gros calibre. Alors, de Cavor qui ne sait spam, fatigué de vivre à plusieurs destinataires. Oui, c'est un spam. Cher ami, si la vie vous paraît trop insupportable, trop ennuyeuse, trop impersonnelle, alors l'heure est venue de reprendre le contrôle des choses et donc de faire un choix qui, en définitive, est le seul que vous ayez jamais eu la mort. Oh, c'est horrible. N'écoutez pas ceux qui considèrent ce jeu courageux comme un acte d'égoïsme, fort au contraire. Compte tenu de la diminution des ressources naturelles de notre monde, l'espace volontaire est un acte de générosité envers ceux qui vont survivre. Oh, c'est horrible. Un amendement récent du Congrès américain autorise le paiement immédiat de 10 000 crédits aux bénéficiaires de votre choix dès que vous aurez rendu cette âme dont vous n'avez que faire. Alors pensez à l'agréable surprise que vous ferez à votre famille, à vos amis, et rendez-vous sans plus attendre dans l'une des plus accueillantes cliniques de pouvoir qu'il sait. Nous serons vous apporter toute l'aide nécessaire à que vous puissiez être rapidement soulagé d'un supportable pardon de la vie. Sincèrement, Derek Schmidt, directeur de développement de Cavork. Putain, si je fais une descente à Cavork, je les défonce. Ils sont complices de la peste noire, c'est pas possible. La peste grise. Ah, c'est horrible. Alors, G. Reyes, déjà installé. Ah, c'est le médecin, G. Reyes. Bonjour, Psycho. Je pensais pouvoir vous aider pour le déménagement, mais je suis bloqué ici et essayer de faire fonctionner un petit sticker médical. Cette foutue machine m'a déjà presque tranché un pouce. Au moins un coup plus tard, ok, James. Attends, il y a un mélange de mail pour moi et pour mon frangin dans l'histoire, c'est bizarre. Alors, de l'administration du réseau à utilisateur. Sujet, message non délivré. Impossible de délivrer, message suivant. Raison, échec de communication, New York. Destinataire inconnu, message. Les résultats des tests m'inquiètent beaucoup. Certaines implications m'effraient un peu. Et je sais pas s'il faut aller plus loin. Je parlerai à Tracer. Soyez prudent pour la suite, P. Classic movie, Paul Dunton. Monsieur Dunton, vidéo compte. Ouais, pour le sujet. Nous avons bien reçu votre commande de Blue Harvest et un mercredi, admirable film d'Abel Ferrara. Merci de nous verrer sans 10 crédits dans les meilleurs délais afin que ces films nous soient envoyés le plus rapidement possible. On vous remercie pour votre confiance. Merci, plein de gros, vivement, vidéo et etc. Il y a encore un truc derrière, barre chocolatée. Putain. T'as le bordel sur cette moquette. Ah, ça se referme. Ah bah c'est bien, je peux refermer le... Là. J'ai tout remis en place. Là aussi, il y a quelque chose, c'est un bâtard pour ça. New York.
L'hôpital de Bellevue signale une augmentation de 50% des admissions au cours des trois derniers mois par rapport à la même période l'an dernier. Un chiffre inquiétant, a déclaré le docteur James Gebel, évoquant par ailleurs le stress supplémentaire auquel le personnel de l'hôpital est soumis. La plupart de ceux qui se présentent à l'hôpital sont des SDF, dont la police ne peut ou ne veut pas se charger, certains d'entre eux étant frappés de la peste grise. Nous ne disposons simplement pas des équipements ou des personnels pour traiter tous ces cas. La plupart d'entre eux sont refoulés. Nombreux sont ceux qui associent le déclenchement de la maladie aux nouvelles substances illicites apparues récemment, et plus particulièrement le Zyme. Un officiel qui a préféré garder l'anonymat a aussi déclaré « Le Zyme est une menace contre la santé publique » et Washington envisage très sérieusement une répression féroce à laquelle l'armée pourrait participer. D'autres ont suggéré que la maladie trouvait son origine dans une contamination chimique, évoquant le récent déversement de chlore dans l'Est River et ses dramatiques conséquences sur la rive Est. Oh, il y a un terroriste qui est tout proche. Il y a un terroriste dans le couloir. Tiens. Bizarre. Je crois qu'on va avoir un peu d'action. Ah, toutes les portes sont pas condamnées. Attends, il est là. La donne est un peu différente. Quoi? J'ai plus de fléchette? Ah merde, j'ai plus de fléchette tranquillisante. Ah, c'est pas cool. Équipé de la protection par balle. Désolé Laura. Ah putain.
Attends, je vois quelque chose là, c'est quoi? Ah, c'est une bombe lacrymo. Oui. You saved my life. Ok, moi je suis ravi. Je savais même pas que j'arrivais dans une prise de tâche. Thanks for taking care of those guys. You from the police? You're Natco. Yeah? Well, you might be interested. I heard them talking. They said something about how they had just put in a generator in a warehouse a few streets south of here. Did you catch the name of the street? No, but they were talking about their security setup. Anything interesting? It sounded like there was underground access. They're using the word righteous as some kind of password. Très intéressant. That's very helpful. Thanks. Ah ouais. Alors là, excellent ce que tu veux comme info. J'ai du l'or au bar. Attends, j'ai le code. Oh, that was a goner. Ouais, je vais le trouver le code, je vais le trouver. Je vais le pister rigolo. Vous avez les mains pleines. Je vais être en boîte sur les... Mes filles qui ont planqué derrière les... Je sais plus, j'ai fait le tour de la porte du fond. Ça, c'est un appart verrouillé. You saved my life. Yeah, yeah. Je sais, je sais. C'est un balcon, c'est pas... Ah oui, mais là c'est une façon de voiture. Infocube. Alors, merci d'avoir choisi la... Oui, la banque de New York. Votre projet nous intéresse et nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder. La banque dispose d'une infrastructure, des infrastructures les plus sûres des États-Unis. Et votre argent est à l'abri chez nous 24h sur 24. 360 soins un jour par an. Alors, vous pouvez consulter la liste complète des procédures protocoles de sécurité sur le net, là. Toutes vos questions et commentaires éventuels sont les bienvenus.
à la banque. Votre argent est à l'abri aujourd'hui, il sera toujours demain. Votre numéro de compte et machin truc avec le code confidentiel, machin. On sait bien. Par mesure de sécurité, nous vous recommandons de ne pas divulguer ces informations à qui que ce soit et à détruire cet infocube après en avoir pris connaissance. Une nouvelle fois, nous vous souhaitons la bienvenue à la banque. Hey. Attends, c'est qui lui? Qui est cet homme? Ah, réceptionniste! Je vais l'interroger, tu vois. Ouh, ils sont allés là nos codes. Bah, il m'a été indiqué en vert. Je croyais que c'était un mec qui avait... Hein, bon. qui avait changé de camp. Ça aurait pu être un indique, merde. Putain, le bug, c'est dégueulasse. I know they found us. Take him out. This one's a goner. What? Je comprends plus là. Ah, j'avais pas sauvegardé après avoir assommé le mec. Pas bien. Thanks for taking care of those guys. You from the police? UNATCO. Yeah? Well, you might be interested. I heard them talking. They said something about it, how they had just put in a generator in a warehouse a few streets south of here. Did you catch the name of the street? No, but they were talking about their security setup. Anything interesting? It sounded like there was underground access. They're using the word righteous as some kind of password. That's very helpful. Thanks. Voilà, là on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors c'est là que je regrette de ne pas avoir de fléchette. Putain, parce que pour être au corps à corps et le matraquer, vas-y toi. Ça va être dur. Ouais, ça va encore.
registre de l'hôtel. Ah, Gilly Foy, Gabriel Smile, Sime. D'accord. Paul Danton, ouais. Arbesterzian, Jefferson. Hippolyta Halls. Waouh, ils viennent de toute la planète. Il y a Afrique du Sud-Ouest et Danemark, Copenhague. Ça va, monsieur le réceptionniste? You all right, Mr. Renton? Fine, I think that's all of them. You got the guys upstairs, right? Yeah. How's your daughter? Is she somewhere safe? I don't know. She's been gone all week. I try not to think about it. Tonight's a bad night to be on the streets. I'll take a look around. Hey, if you see Sandra, tell her I don't care. I don't care what she's been doing. She can come home. No questions, no speeches. Sure. Alors, commandant Frace, nous sommes retranchés à Hell Kitchen et je ne suis pas certain de la marche à suivre. L'ennemi nous abat dans les rues sans sommation. Sans parler de cet agent mec modifié, un véritable blindé sur pattes. J'ai vu quelqu'un le criver de balles sans aucun effet. J'ai perdu le contact avec les Alpha et Delta. Yutsuri et Top King sont morts. Je ne sais plus quoi faire. Nous nous sommes terrés dans un hôtel. Tout cela n'a plus rien à voir avec l'entraînement. Dites-moi ce qu'il faut faire. Si nous restons ici, nous sommes morts. J'ai été obligé de prendre des otages. Je sais que nous devons minimiser les pertes civiles, mais je n'avais pas le choix. Que peut-on ? Le commandant Fraise. Donc je pense à Fraise. Ça va m'aider à retenir son nom. Ah non, c'est un bon crédit, je croyais que c'était un journal. Alors, Bellevue signale une augmentation du nombre d'admissions. Ah, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. C'est un doublon. C'est le journal du jour, il n'y a pas de doute. Alors, le nommé jeudi par G.K. Chesterton. D'abord, de quoi parlons-nous? Précise ta récrimination. Tu veux abolir toute forme de gouvernement? Abolir Dieu, dit Grégory, avec un regard de fanatique. Nous n'aspirons pas seulement à renverser les despotismes et à combattre la police. Cette forme d'anarchisme existe, mais elle ne représente que l'une des activités des non-conformistes. Nous voulons aller au cœur des choses et tout faire sauter. Nous refaisons toute distinction de vice et de la vertu, de l'honneur et de la trahison, distinctions arbitraires sur lesquelles reposent les systèmes de pensée de la plupart des prétendus rebelles. Les sentimentalistes imbéciles de la Révolution française ont inventé les droits de l'homme. En ce qui nous concerne, nous refusons et le bien et le mal. Nous avons aboli le bien et le mal. Et la droite et la gauche, dit Sims avec enthousiasme. Si c'était possible de les abolir aussi, je n'y ai jamais rien compris. Bon. Aïe 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 aïe, anarchiste pacotille. Alors je prends tous les nanocodes. Inspection de super police. Tiens d'ailleurs, celle-là je peux l'ouvrir, non je peux pas. Attends, j'ai pas vérifié le moule. Il y a l'aspirateur automatisé, ouais, il y a le distributeur automatique. Il y a un rat. J'ai hâte de voir le duel rat contre aspirateur. Il y a deux rats. Ouais, bah les rats. Alors, j'avais déjà lu. Ok, donc c'est bien les informations du jour. Alors, putain, alors là, par contre, faut que je note les codes parce que.
bien. Il a mémorisé le registre de l'hôtel. Oui, je suis pas malin, j'aurais dû préparer ma partie en prenant de quoi prendre des notes. Ouais, ça va, j'ai quelque chose. Allez, c'est parti. Ah, c'est là où je vais me régaler. Je vais encore récolter d'autres infos. Voilà, voilà, voilà. Alors, faisons-nous plaisir sur Carillon. Alors, numéro de compte. J'adore les jeux de piste. 6, 5, 4. Décodeur. Ah
Ah oui, merde, faut que j'en monte sur... Yes, mission accomplie. C'est bien ça. Ah oui. Je passe par là. Alors, putain, j'en ai des appartes à fouiller.
thanks. I was a goner. Attends. Il a perdu un petit appart. Trying to catch my breath. Ouais. Ah, voilà, c'est celui-là, tu m'as fait. Merci. Je comprenais plus. Je m'en suis pas encore équipé du pare-balles. Ce qui me fait suer, c'est de pas avoir de vendeur. Putain, j'ai trop de matos. Ou alors j'épuise ça. Ne la confiez surtout pas à d'autres religions qui, en tenant un discours vague, ambigu et invérifiable, vous promettent un service identique. Celui qui croit en lui est assuré de son amour et de la vie éternelle. L'emplacement exact de notre super crypte est évidemment ultra secret, mais tout le monde sait qu'elle est bien à l'abri sous des milliards de mètres cubes de roches quelque part dans les Appalaches. Et même en cas de catastrophe biblique ou autre, un générateur nucléaire auxiliaire garantit l'entretien quotidien de vos âmes dans l'attente du millénaire à venir, pendant que des détecteurs à la surface contrôlent en permanence la venue du jour du jugement dernier, lorsque toutes les cryptes s'ouvriront et que toutes les âmes libérées accéderont au paradis éternel. Pourquoi confier votre âme à quelqu'un d'autre, Nette Église de Dieu? Ah, c'est trop bien! Je sais plus où j'en suis. Ah oui, alors le flacon de Zyme, la drogue, un cadavre de Camé. Oh putain. Ok. Ah bah c'est un autre truc de Zyme. Ouais, elle aussi elle est morte. Attends, je regarde rapide. Thank you.
marche pas.
Vas-y voir que je m'amuse à... Ah, c'est la chambre du réceptionniste. D'accord. Compte crédit, 25, tu vois. J'ai pas le dévalisé. Quoi? Pourquoi c'est verrouillé, ça? C'est encore plus mystérieux. Merde, mais quel con. Ça paraît puis ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ah, soupir. Ok. There were a couple of NSF on the second floor. I took care of the situation. What about the hostages? Doing fine. You guys can relax. Well, I'm glad they made it. Effective crowd control? What's that supposed to mean? Denton. Hey, it's Denton. You want these? What? Give him the grenades. Look, I know he's your brother, but... Your brother gave us these things. Look at this. Irritation to all exposed mucous membranes. What's that gonna do? Just tell Paul to give us bullets next time. Here's one. Prolonged exposure can damage the bronchial pathways. Prolonged exposure? It's like giving them cigarettes or something. Look, do you want these things? Garder parce que moi je porte surchargé de... Oh le chat qui va bouffer le rat, trop bien. Keep them. Those things save lives. Terrorist lives, you mean. You're just like your brother. If I had your abilities, people would be safe around here. Oh le chat. Ah non. Chinoise opérationnelle, AVR Pékin-Chine. Les autorités chinoises ont annoncé aujourd'hui que l'ultra-moderne complexe lunaire minier Zhuhai était opérationnel et fonctionnait à 100% de sa capacité. Nous sommes heureux d'avoir accompli non seulement un pas en avant qui repousse les frontières de l'exploration pour toute l'humanité, mais
mais aussi de pouvoir à présent exploiter les territoires lunaires d'une manière profitable au peuple chinois et au marché global, a déclaré le Premier ministre Nguyen Lam. Alors que les États-Unis et le Nigeria dénient encore à la Chine tout droit d'exclusivité sur les riches régions de Palus Somni et de Mare Crisium, oui, la mer des crises en fait, dans les cratères lunaires. Bref, les Chinois redoublent d'efforts pour mettre leurs adversaires devant le fait accompli tout en poursuivant les négociations diplomatiques. Nous considérons que nos revendications sur ces territoires sont justifiées, a déclaré Robert Holland, le ministre américain de l'Intérieur. Mais nous préférerions conclure un arrangement équitable permettant à nos deux grandes nations de travailler ensemble au développement des territoires lunaires. Le premier minerai extrait dans le complexe devrait être chargé dans un super porteur dès demain et lancé aussitôt. Son arrivée dans l'orbite terrestre est prévue la semaine prochaine. Stay out of the Don, bro. Bad shit going down. Ah oui, le fameux bar. Attends, faut que je relise mes objectifs d'ailleurs. Non, pas les compétences. Ouais, parler aux habitués du bar ou aux patients de la clinique pour tirer des infos sur le générateur. Ah bah, je vais passer à la section Cosette. I am Ambrosia from a drug dealer. We're talking about your wife, the Grey Death. I don't know. If I gave it to her, and it was cut... Jojo's good for it. People know him. He'd be hanging from a streetlight if he was selling bad vaccine. Hey, Shay, Cape Cod. Need a little vodka this time. I know. Guess I have to do something. Ce qui est emmerdant, c'est que j'ai plus d'emplacement libre de... J'adore la musique. C'est quoi ça? Ah, c'est la drogue. Ouais, tu parles des couteaux de lancer, je m'en sers pas, c'est les couteaux de Anna. C'est mon couteau parce que je me vois pas le pied de biche fait tout. Bah masse 10 livres, le pied de biche en fait 15. Là je me débarrasse du pied de biche. Je me contenterai du couteau pour c'est pas con. Nous appelons souvent les pieds de biche des tubes, monseigneur. Et on est toujours à portée de main. Gunther et Redman.
would never forgive yourself if... I know. It's to be expected. Ambrosia is a controlled substance. Most people don't even think it exists. To be pain and chits in a grimy alley somewhere. You ought to be thankful the dealers got their hands on it. A week from now, listen to me. I say this for your own good. Next week, it might be too late. It's still going on, isn't it? They're shooting people right outside the bar. Ah, alors si je sors du bar, pas de sortir d'autre chose qu'à te voir quel souci. Intéressant ça. J'avais même pas remarqué. C'est pas ça que je voulais faire. Generator? Not exactly, but if it's anywhere, it's probably in the warehouse district. Where's that? A few blocks south. Not a bad walk, but the riot police have blocked the roads because of the NSF. I'd like to check it out. Well, you may be out of luck. Even though one of the old warehouses faces onto the park, I don't know how you get inside. Sounds like a good place to start. Something to drink. Everything in the bar, snacks too, just 10 credits. That's some heavy augmentation. Yeah. Ask UNETCO. What's it to you? I'm in the business. Well, I was in an early program, okay? I can still polish a glass. Good luck with your business.
parler aux gens, je vais mettre une salle sous la table, pas ça. I need help. What's the problem? Actually, it's my friend. Johnny took her into the alley west of here, across the street. Slow down. Who's Johnny? I got a bad feeling about this. He was mad. He gets crazy when he's mad. Don't worry. I'll check it out. Joe Greens, Midnight Sun, glad to know you. What can you tell me about what's going on out there? Sorry, regulations prevent me from talking to the press. Regulations, huh? So you are part of the crackdown. Like I said, I have nothing to say. Too stylish for the National Guard? Too athletic for NYPD? You must be from UNATCO. I really can't be bothered right now. How about I ask you a few questions? Splendid. I certainly would like to know what an international anti-terrorist organization expects to find in a dive like this. Heard anything about a secret NSF power generator? Ah. Playing the detective, are we? I take it you've been assigned to eliminate certain weapons systems. Defenses, maybe? Am I getting warm? Just answer the question. Let me be more pointed. How does it feel to be ordered to murder civilians just because they support the fastest growing political movement in this nation's history? In a democracy, armed rebellion is criminal, not political. Rebellion, as the Declaration of Independence tells us, is not only our right, but our duty when we have suffered a long train of abuses and usurpations. This is gonna make a great story. Ouais, le mec il m'apprend rien quoi. Tant pis, je vais recharger et puis. Et alors je vais faire la. Hey, you with the troops? I need help. What's the problem?
Actually, it's my friend. Johnny took her into the alley west of here, across the street. Slow down. Who's Johnny? I got a bad feeling about this. He was mad. He gets crazy when he's mad. Don't worry. I'll check it out. I hope she's okay. Look like the vigilante type. What if I said I knew where you could load up on military hardware? Where's that? That's valuable information. You'll have to come up with some kind of payment. How about liquor? You can have this beer. That'll do. His name's Smuggler. Real paranoid nut. Wires himself in with booby traps, but he knows things. There's stuff in the sewers that only Smuggler knows about. Thanks. Maybe I'll pay him a visit. Now I'll tell you something you can't hear from anybody but me. What's that? Area 51. You heard of it, right? Actually, I'd rather hear whether you know anything about a warehouse with an illicit generator. I worked out there. Most people think they got aliens from another planet, but I didn't see any flying saucers. You want to hear about it? I'll tell you. For the price of a beer. It taps out. Only bottles. Beer, please. There you go. Putain, chaque fois je me gourre dans le jeu. What do you have for me? You can have this beer. I appreciate it. Yep, I know for a fact it's not just for government research. I've seen all kinds of executives coming and going. I'm sure plenty of bureaucrats fly out there. Billionaires, big executives. I think the whole place has been taken over by a private corporation. Not likely. Something's going on underground. I'm a pilot, which means I didn't get any access to the main complex. But a lot of rock comes out of there. It's some kind of mine. But what I don't understand is why they're always laying more fiber optic cables. A pilot? What do you fly? Copters. You know what I think? I think that's where the UN moved Echelon 4 back when they promised they were going to stop spying on people. Surveillance is a very distributed technology. To centralize it in one large facility would be very unusual, even for the UN. I bet they did it. They want to centralize everything. Every computer on the planet. Shoot. Never mind. Excuse us, we're having a conversation. Yes? Non, je n'ai plus faim. Just curious. I thought I heard you say Ambrosia. My wife has the plague. He already lost his daughter. Sorry to hear that. So do I trust some street punk called Jojo to get me pharmaceuticals? Trust him with my wife's life? I thought Ambrosia was an urban legend. Jojo probably just wants to sound like a player. I shouldn't get my hopes up. I don't know what to say. You just have to do what you think is right. Can I ask a question? Go right ahead. I'm looking around for a power generator, possibly hidden, large enough to power a building. You in real estate? I just need to find it. Oh, of course. You know, I tied in power at a place a few blocks out. A warehouse. Strangest thing. They wanted to conceal these gas-driven generators on the second floor. Didn't give a hoot if their own people got asphyxiated. How do I get over there? No way through the blockades now. We went over some rooftops to get there. There was a lift. The code was 3316, I think. Thanks for the tip. Excellent, l'info qu'il vient de me donner. Excellent. I think he should do it.
I'm gonna do it. I'm glad. I hope she does better. Chapitre 2. Jason ouvrit le sas d'accès avec sa clé. Attendit avec patience que la porte extérieure se ferme et l'intérieur s'ouvre. Il s'approcha du bureau, appuya sur le bouton et la porte de transfert à la base de la fenêtre de verre trempé descendit dans le comptoir. Poussant le bouton près de la fenêtre, fit apparaître l'étrange fluorescent, révélant le foyer précédemment assombri dans l'armurerie. Il n'y avait en effet pas de raison de gaspiller de l'énergie en temps calme, vu la conception solaire du building. Les structures autoportantes auraient pu être plus d'actualité, mais Cobol avait disposé des meilleures technologies à l'époque pour le complexe de Boston. Un des avantages d'un contractant militaire privé des Nations Unies était que Cobol disposait d'un excellent soutien financier, sinon de ses actionnaires, aussi provenant de plusieurs contrats de sécurité autorisés. Malgré que la coalition soit une force gouvernementale, elle n'était pas limitée financièrement par la générosité des contribuables. Oula. C'est quoi ça? Un fémur humain, un crâne humain. Ok, tout va bien. Sérieux? Ah non, c'est pas tout. Oulala! Ça vaut son pesant de cacahuètes, ça. Ah, là, les billets ont été remboursés. Décodeur. Ah, il y avait encore une torche. Pas d'avoir. Ce qui me fait chier, c'est qu'il y aurait plus de passe partout. Et là, ça va aller. Putain, j'ai combien de décodeurs? J'en ai 6. Oh putain. C'est énorme. Still going on, isn't it? They're shooting people right outside the bar. Ah merde! J'ai pas cliqué là où il fallait! Oh putain le con!
Oh, le gâchis. Oui, attends, je vais recommencer ça, mais... Attends, en même temps, j'étais troublé, j'étais en train de recommencer, j'ai trouvé un... Ah oui, c'était le code ascenseur pour... Bah non, c'est le mec qui me l'a dit. Putain, le passeur, faut que je le trouve absolument. Ah non, c'était un bon du crédit que j'avais trouvé. C'est pas pareil. Shooting people right outside the bar. Que j'aurais dû... Ah bah non, attends, il y a une clinique là. C'est la fameuse clinique que je dois visiter. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah, c'est une fusillade. Outside. They told me to come in here. The riot cops are running scared. Reminds me of Washington. I was there when the NSF overran Squalnomi, back when they were called the Northwest Secessionist Forces. Were you at Squalnomi? Yeah, it was night. They came in with their Moptic camera and we never picked them up on any of the sensors. What a goddamn mess. I didn't know. Had a hard time sleeping after that. Didn't do real good on the psych evals either. Got drummed out in short order. The Army probably didn't want to have any reminders hanging around. Yeah, and now look what they got. NSF in downtown Manhattan. Same guys that nearly whooped us in the Northwest. Bet the brass remembers Squalnomi now. Hey there. I'm Raphael. This here's Jake. Hey. Heard you say you were in Squalnomi. You're lucky.
A lot of good people never made it back. Makes you feel any better, a lot of not-so-good people didn't make it back either. Yeah, bad card to draw no matter which side of it you were on. Look around. Some folks drew worse. Christ. You see the guy begging for a cure? Yeah, what about him? It won't help. There is no cure. How do you know? They show you stuff in the military. You want to know the real battlefield? It's microscopic. We can't even see it. Lucky for me, I got immunizations, but that guy, well, once you're infected, you're infected. And what about me? I don't know. You got lucky. Not a bad thing to be. Excuse me, you said they immunized you against the Gray Death in the military? They immunized me against a lot of stuff. You think it's a bioweapon? All I know is I'm well and the rest of these poor bastards are sick. And one of us got immunized and the other ones didn't. I wish to hell they'd give us the all clear. You making a play today? Nah, scavenged some copper wiring. Wanted to get back and try it out in the sculpture. Christ, you and the sculptures. What's this one called? The Man Who Was Thursday. Makes as much sense as the last one. What was it called? Napoleon something or other? Napoleon of Notting Hill. Doesn't seem much use for sculpture today. There's always tomorrow. Il est marrant, lui. Attends, je peux m'adresser, voilà. Sorry? You wanted something? No. Sorry, I ain't got nothing for you. Eh ben, t'as beaucoup the riot cops are running scared. Reminds me of Washington. I was there when the NSF overran Squalnomi, back when they were called the Northwest Secessionist Forces. Welcome to Tenderloin Clinic. Putain, m'a vu de loin. Non, c'est chaud. Family first. Please proceed to the examining room. Vous êtes trop loin pour que je puisse interagir. We accept all forms of digital cash. Please have your card ready. Ah, le pognon. Toujours le pognon. T'es vilaine, je te parlais dans ton... I'm not permitted to give medical advice myself. This line has been shut down by order of UNESCO. Be prepared to give a description of your problem in 3 sentences or less. J'ai traversé une période difficile auparavant et elles viennent toujours comme des ouragans. Et quand tu es en plein milieu, tu ne crois pas que tu verras jamais la lumière du soleil. Il y a eu des moments au Texas où les combats étaient si violents que où que j'aille, ce n'était que des morts, des blessés partout, des blessés qu'il fallait soigner et d'autres qui ne cessaient d'arriver sans que cela ne semble devoir s'arrêter. C'est une sale période, mais on finira par s'en sortir. On les aidera des tas de gens qui mourraient si on n'était pas là. J'ai confiance en toi et en le reste du personnel, on y arrivera. I'll read. You will have to consult one of the doctors. Ça va, j'ai le temps de lire ton courriel, madame. As you can see, we're very busy. Take a seat and be patient. Busy. You look like the do-it-yourself type. How about the automated care plan? Only 2,000 credits. Med kits are 300, but if you want augmentation work, you need the bots. Never mind. As you wish. One of the doctors can help you. Ah, infirmière. You must pay the doctors in cash before treatment can begin. Not now. Please, leave me alone. Got a few credits. You have the plague? Nah. Cops ran us off the streets. Usually I go into the water tunnels in the warehouse district, but somebody boarded up the window. You live in a tunnel? Actually, I like to stay on the roof of this big apartment building. Nice view. It
it's not too cold. There's a freight elevator at the end of the tunnel. Where's that window you were talking about? It's a basement window in the park south of the hotel. Okay. Did I slow something? One thing about the warehouse district, you've got to know which buildings are safe. Some have armed guards. Ah, ça va me plaire. Je vais m'y amuser. Ouais, c'est ça. Un petit peu de ciel. You know where Eddie went? Charge of law enforcement on this block. You doing all right? Yeah. They told me to come in here. Is that okay? Perfectly fine. Just making sure everyone's safe. Hey, while you're at it, you ought to do something about the NSF. Perfectly good shelter. You know what they're doing in this neighborhood? Kicked us out of the old Osgood place. A bunch of us camping in the tunnels. Talk about rights, but when they want something, they take it. Maybe I'll look into it. You take care of yourself. If you think you have Gray Death, please pick up an information packet. I'm not the only one they threw out. Think they're some kind of freedom fighters. Ah, c'est peut-être électronique pour les digicodes. Les digicodes électroniques qui sont pratiques, les agents peuvent apprendre à pirater plus efficacement certains membres du système de sécurité en utilisant des décodeurs. Ouais, c'est ça. C'est électronique, ouais. Plague victims can have their medication mailed to their homes at no additional cost. The riot cops are running scared. Reminds me of Washington. I was there when the NSF overran Squalnomi, back when they were called the Northwest Secessionist Forces.
Alors. Ils ont envie de traduire. Le code de l'ascenseur pour les toits est 3316. Et dans les égouts, il y a le passeur. Putain, faut que je le trouve, lui. Oula, c'était un carnage. Ah, c'était un terroriste ? Hearing things.
I saw somebody. Maybe just a homeless guy. Forget it. I was hearing things. Ouais, de toute façon, je pourrais pas le neutraliser. Enfin, encore que je peux toujours essayer, mais... Mais à mon avis, je vais avoir un bug de collision. Ah non, j'ai pas eu. I think we've got an intruder. I guess it's nothing. Thought I saw someone. Take him out. Putain, mais c'est une mission impossible. Got this one. Keep looking. Something funny about that guy. Alors, je l'ai touché ou pas? Attends. Keep pig. Ça veut dire que le mec, je peux l'assommer en fait. C'est ça qui est génial. I know I heard something. Boot pig. This clip's empty. Bah. These guys aren't so tough. Alors j'ai pas compris là. J'ai pas pu mener mon action de... Ah oui, il faut vraiment que j'active là. Ah merde! Mais oui, mais. Mais là je suis même mort, laisse tomber. Non, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est prendre la caisse. They found us. Voilà. Nickel. Excellent. Clé de la porte arrière. Ah bah, j'ai la porte avant et la porte arrière. Comme ça, je suis tranquille. Thank you.
puis ça valait le coup là. Attends, il y a des trucs. Eh ben. Résistance. Attends. Ah, ce sont des jumelles. Dommage. J'ai cru que c'était un truc digicode. Dommage. J'ai sur les toits en plus. Ouais, et puis c'est un point de non-retour. Une fois que t'es là, c'est mort. Ah putain, dur. Bon, ça c'est la suite de la mission, je les ferai après. J'ai vraiment envie d'essayer. Bah, je reviendrai de toute façon. Peut-être que je trouverai les codes là où je vais aller pour les. We'll take it from here. Tiens.
Le dit ascenseur. Alors ? Putain, mais elle a fait trop quoi cette bouche ? Ah, c'est un chat. Whoa. Hey, ah, right. Merde. See what this guy here, don't you? Ah, putain, c'est des vilains. Ah merde, j'avais pas assommé le mec. Oh non, faut que je recommence tout. Nothing. I guess we're safe. They found us. Ah.
mais ça, c'est la suite de la mission, c'est un peu plus tard. We'll take it from here. Ça va faire le bon moment, allez, j'ai qu'un.
Ah, c'est là d'où je viens. D'accord, c'est mon point de départ ici. Ok. Attends, vas-y voir que je retourne. Oui, c'était là, je crois. Carrément une explosion. Ah, c'était bien tenté. Mon approche était valable. Utilisé par la police anti-émeute et les forces de l'ordre national pour dissuader les fauteurs de troubles. Mais j'espère que je peux assommer avec et pas tuer. Faudrait que je teste. Barricadé, le con. Ah non, pardon. What do I do? Rien.
là. Mais merde, j'arrive pas. Attends, il n'y a pas une petite caisse quelque part? Ah bah si, là voilà que je suis. Attention, barre-toi le chat. Ah putain, faut que je recommence de là. Gotcha. Oula. Oh là là, le bordel, toi. Ça y est, ils sont courus. Ah oui, ils sont courus. Bah, merci, bien joué. Talk to one of the guys in green. Your net goes running the show today. Je suis par poser qu'ils sont si je peux pas passer au-dessus du grillage. Parce que si je suis doué, j'arrive à me faire un escalier naturel. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? N'aie pas peur. À faire là, c'est... Bah, c'est moi ou ça pète pas? Je comprends plus là.
merci. City's lit up, man. Yeah. Je te crois. Putain. Oui, on est d'accord, là, je saute. Pourquoi j'arrive pas à sauter? Ah! J'ai chié. La collision m'a couillé. Non! J'y étais! Ah, yes. Bon allez, je vois la suite plus tard. Je vais aller déjeuner.